dans ma cuicui, dans ma cuisine, je suis le roi. Et moi la reine. Tam Tam. Tina, vous pensez que Rabdo? Nana. Trop, c'est trop. Ça va barder. Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux. Regardez-moi ce chantier. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est de la peinture, c'est joli, non? C'est ma dinette. C'est des cochonneries. Des cochonneries? Vous allez me nettoyer ça vite fait. Mais c'est pas sale. Vous exagérez toujours. Eh bien moi, j'en ai assez de faire le ménage, je rends mon tablier. Moi aussi. Les enfants, je vous préviens, on va au cinéma. Au cinéma, quelle bonne idée. Quand on rentrera, je veux que tout soit impeccable. C'est bien compris. Sinon, vous serez privés de télé pendant 3 mois. Trois mois. Mais impeccable non, comment? Comme ma cuisine. Comme la cuisine. Comme la cuisine. C'est pas possible. On n'y arrivera jamais. On est fichu. Pas de télé pendant 3 mois. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Et en plus, on est tout seul. Tout seul? Attends, j'ai une idée. On sera pas tout seul. Rémi, c'est moi. Tu veux t'éclater? Ouais. Bah, t'arrives avec ton matériel, tu te grouilles, hein. Après, t'appelleras Alexandre. Alex, tu fais quoi aujourd'hui? Ça tombe bien. Allô, Sophie, on organise un truc super. T'arrives? Les championnats de nettoyage artistique. Ouais, super génial ton idée. Tout va être propre en 2 minutes. Surtout avec Alexandre. Il est fort comme un rouleau compresseur. Et ça, c'est la coupe pour le vainqueur. Et moi, je vais préparer la distribution des prix dans la cuisine. Ouais, les gars. Salut. Salut. Où est le stade olympique? C'est par ici. Waouh, vous êtes vraiment bien équipés. Alors voilà, le championnat se déroule en 3 épreuves. Je suis l'arbitre. Vous démarrez au coup de sifflet. Et moi, je remettrai les prix aux gagnants dans la cuisine. Mousse au chocolat, glace, sirop de cassis et tout ça. Le concurrent qui aura gagné le plus d'épreuves recevra le trophée d'or que voici. Ok, par où on commence? La première épreuve, c'est le dépoussiérage. Attention tous à vos chiffons. À vos marques. Prêts? Alors, qui a gagné? Très difficile à dire. Vous êtes tous ex aequo. Venez chercher vos prix. Deuxième épreuve, le balayage. À vos marques, prêts? La médaille d'or revient à Alexandre. C'est pas juste, son balai est mieux que le nôtre. Bon, vous êtes tous ex aequo. Venez chercher vos prix. Youpi. Marc, prêt? Vas-y, Rémi, vas-y. Rémi, du nerf. Alex, n'oubliez pas les points. Vas-y, Rémi, plus vite. Bravo, les gars. Et la fille? Encore une fois, vous êtes tous ex aequo. Youpi. Et encore bravo. Au revoir. Oh, quelle merveille. Tout brille, tout scintille. Ça n'a jamais été aussi propre ici. Mes pauvres chéris, il ne fallait pas vous donner tout ce mal. Vous devez être épuisés. Bah oui, un petit peu. Reposez-vous, je vais vous préparer un bon chocolat. On est peut-être un peu trop dur avec... Adrien, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ma cuisine. Oh, ma cuisine. Oh,
Dans ma dans ma cuisine, je suis le roi. Et moi la reine. Tom Tom. Vous pensez que Rabdo? Nana. Trop, c'est trop. Ça va barder. Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux. Terminé. Papa, maman, ça y est, on a fini nos devoirs. Déjà? Oui, on peut aller voir Amélie. Encore? C'est au moins la troisième fois cette semaine. Oh, s'il te plaît, papa. Bon, d'accord. Mais avant, vous rangez vos affaires. C'est qui cette Amélie? C'est une nouvelle copine. En ce moment, elle habite chez Rémi le Poivre. Les enfants l'adorent. On va ranger nos cartables là-haut. Et dites donc, votre chambre, elle est rangée, elle? Oui, oui. Tu peux venir vérifier. Et elle a une très bonne influence sur les enfants, cette Amélie. Ils sont méconnaissables depuis qu'ils la fréquentent. Ah bon? Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Une tornade? Un ouragan? Je n'ai jamais vu votre chambre aussi bien rangée. Et ce qui est bien, c'est que depuis qu'elle est en panne, il ne regarde plus la télé. Avant, on pouvait parler des collègues du poste. Incroyable! Bonjour, monsieur Desbouchons. Il peut venir chez moi voir Amélie? On est prêts. Attendez, les enfants, une petite seconde. Oh là. Tenez, c'est pour vous et votre copine Amélie. Oh, merci, monsieur Desbouchons. On peut rentrer tard, papa? Bien sûr. S'il et le poivre sont d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? J'espère qu'Amélie est toujours là. Oh. Psst. C'est bon, venez, la voix est libre. Oui. Je m'assose, je m'assose. Il était super ton gâteau, papa. Et vous vous êtes bien amusée? Oh oui, elle était géniale, Amélie, aujourd'hui. Elle a chanté, elle nous a raconté des tas d'histoires. Ah bon? Ouais, une histoire d'assassin. Oh là là là, j'étais morte de trouille. Déjà qu'il fait tout noir dans la cave. Dans la cave? Bah oui, parce que dans le noir, elle brille. Mais... qu'est-ce qui brille dans le noir? Je veux dire que... elle marche. Elle déraille comme tout le monde. Enfin, Nana, allez, viens te coucher, toi. Elle est fatiguée, elle dort debout. Espèce d'idiote. Tu peux pas te taire, t'as failli nous trahir. Mais j'ai rien fait. J'ai rien dit. Et mon escalope, ça vient? Voilà, voilà, un peu de patience. Et voilà les lapines à la moutarde pour monsieur Henri. Attention, c'est chaud. Les deux boeufs carottes pour la 7. Adrien, l'escalope de la table 9. Non, pensez qu'à Ravdo. Bonjour, madame le poivre. Alors, bonjour. Comment va votre Amélie? Mon Amélie? Quelle Amélie? Ben, la petite qui joue dans votre cave avec Tom Tom et Nana. Dans ma cave? Mais il n'y a que la chaudière dans ma cave. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est tellement sale qu'on n'y met jamais les pieds. Quoi? Vite, faut prévenir les autres. Il faut sauver Amélie. Déménager Amélie. On va la mettre là-dedans. Aidez-moi, elle est vachement lourde. Viens, ma petite Amélie. Vite. On pourrait la mettre chez moi, dans mon grenier. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont encore raconté, ces enfants? On va en avoir le cœur net. Vous voyez, il n'y a personne. C'est complètement vide. Oh. Bah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Regardez par là. Ce serait pas ça, Amélie, par hasard? Oh, une poupée. Bien sûr, c'est elle, Amélie. Quel farceur, ces enfants. 3, 2, 1, je branche Amélie. Vite! C'est Max le tordu, la terreur des rues. Vive Amélie, notre télé chérie.
Dans ma cuisine, je suis le roi. Et moi la reine. Tom Tom. Tina, vous pensez que Ravdo? Nana. Trop, c'est trop. Ça va barder. Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux. Et voilà le menu spécial du 1er janvier. Alors, monsieur Tom Tom, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Pâté d'aiguilles de sapin de Noël à la royale. Ouais. Chaussures farcies au marron. Bûche de bois au coulis de poubelle. Waouh, la spécialité du chef. Ah, c'est comme ça que vous commencez l'année. Enlevez-moi toutes ces saletés de la table. Et ça, qu'est-ce que c'est que ces façons de mettre le couvert? Vous voulez tout casser ou quoi? Mais c'est pour Sophie, notre invitée. Et vos bonnes résolutions? Elles ont disparu, envolées? C'était hier. Aujourd'hui, on rigole. Bonjour. Mais le restaurant est fermé aujourd'hui, ma petite. C'est pas aujourd'hui que je suis invitée. Mais qui es-tu? Tu es... Sophie. Bonne année, madame Dubuchon. Ta robe... Mais comme tu es chou, Sophie. Elle est déguisée ou quoi? Merci de m'avoir invitée. Des fleurs, c'est adorable. Tiens, installe-toi ici, ma chérie, je reviens. Je vais me laver les mains, si vous le permettez. Non, mais j'hallucine. C'est vraiment Sophie, cette bouffonne? C'est sa sœur jumelle, c'est pas possible. Vous remettez le couvert, et correctement cette fois. Et voilà les épinards à la crème. Au secours, des épinards. Lâche-moi ça, je vais vomir. Moi, j'adore les épinards. Merci beaucoup, madame Dubuchon. On veut des nouilles. On veut des nouilles. On veut des nouilles. Silence. Spaghetti. Il n'y a pas de nouilles. Tenez, voilà du poulet. Du poulet. Ce poulet est exquis. Et voilà le dessert. Une bonne glace à la framboise pour une petite Sophie adorable. Encore. Encore. Ce dessert était divin, madame Dubuchon. Oh, quel ange. Merci pour tout, madame Dubuchon. Ce repas était succulent. Tu t'en vas déjà, Sophie? Tu joues pas avec nous? Oh non, j'aurais trop peur de déranger. Et encore meilleurs vœux pour cette année nouvelle, madame Dubuchon. Vous avez vu ce que c'est qu'une enfant polie et bien élevée? Qui dit merci sans qu'on ait besoin de lui demander? Quoi, c'est facile, hein? Nous, on peut faire mille fois mieux. Merci, Nana. Merci beaucoup. Oh, merci, Tante. Merci pour ton merci. Mille des merci pour tes merci. Merci, Nana. Ça suffit. Maintenant, nettoyez-moi cette table et au trot. À vos ordres, capitaine Mamou. La propreté, ça nous connaît. Oh, ils auront ma peau, ces deux-là. Maman a dit au trot. On y va au galop. Ouais. Non, mais c'est pas vrai. Mais vous êtes de vrais cauchemars ambulants. Allez, ouste, dehors, du vent, du balai. Pas la peine d'insister, vous ne serez jamais des enfants modèles. Vous êtes incapables de vous tenir correctement. Tenez. Quoi? La pauvre Sophie a oublié son sac. Rapportez-lui. C'est bizarre. Comment elle fait, Sophie, pour si bien se tenir? Ça alors. T'as vu, Tom Tom? 1er janvier, premier exploit de l'année, être capable de me montrer poli, même avec les plus affreux, me forcer à manger, même si je dois vomir après, pendant tout le repas des Dubuchon. La traîtresse! Une souris qui fait pipi et un rat qui fait caca. Viens ici, menteuse! Hypocrite! Je vais vous expliquer! Faucheton, tu t'es moqué de nous! On va tout dire à nos parents! Hypocrite! Thank you.
vis dans ma cuisine, je suis le roi. Et moi la reine. Tom Tom! Tina, vous pensez que Rabdo? Nana! Trop, c'est trop! Ça va barder! Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux. À quoi on joue? Au foot! Non, à la marchande! Berk! Un jeu de filles! Eh, moi, je veux jouer au bandit! À la guerre! À la guerre! À la maîtresse! Oh, mais non! Puisque c'est comme ça, on n'a qu'à jouer à s'embêter! Stop! C'est pas la peine d'être en vacances si c'est pour se disputer. Il nous faut un chef, un vrai. Un qui décide et tout le monde dit oui au doigt et à l'œil. Chef! Ouais, y a pas de raison que ce soit toujours les garçons qui commandent. Bon, alors le chef, ce sera moi. Parce que c'est moi qui ai eu l'idée. Eh, oh! Dis donc, pourquoi ce serait pas moi? Et nous alors? Une fille chef, ça n'existe pas. N'importe quoi, toi! Silence! Bon, on va faire des élections. Ouais, des élections. Comme à la télé? Je sens que je vais être élue à 100%. Ouais, t'as qu'à y croire. D'abord, on va faire des affiches. Chacun la sienne. Mais qu'est-ce qu'on met dessus? On met ce qu'on sait faire de mieux. Fastoche! Hyper fastoche! Qu'est-ce que je sais faire de mieux, moi? J'ai fini! Regardez, votez Rémi, le plus grand crasheur mondial. Ouais, c'est moi le meilleur. Oh, c'est lui. Jalouse, toi. Moi, c'est mieux. Votez Sophie, la meilleure en calcul. À moi, bon, moi, j'ai trouvé. Votez Nana, vous ne le regretterez pas. Bah, c'est quoi ça? Ben, ça se voit, hein. C'est la fille qui sait pleurer pour de faux, avec des vraies larmes. C'est nul! Trois fois nul. N'importe quoi. Une présidente pleurnicheuse. Ah non, mais t'as vu ça où, toi? Ça va pas la tête. Tu rigoles? Ouais, ben faut vachement être fort pour faire ça. Y'en a pas beaucoup qui arrivent. Ben, nous, on n'a pas besoin de se forcer pour rigoler. Et toi, vas-y, fais voir ton affiche qu'on rigole. Regardez bien, regardez le meilleur. Votez Caillouman. Quoi? Caillouman? C'est du chinois? Attendez, vous connaissez Superman? Non, mais tu nous prends pour qui? Eh ben, Caillouman, c'est encore plus fort. Et Caillouman, c'est moi. Vous voyez ce caillou? Eh ben, regardez-le bien, parce que vous le reverrez plus jamais. Je vais l'expédier sur la planète Mars. À la une, à la deux, à la trois. Il est où? Nom de nom d'un bazar de bois. Oh là 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 là. Oh là. Espèce de voyou. Venez ici que je vous réduise en purée. Au secours. À toi de jouer, Nana. Ils vont voir de quoi je suis capable, ces froussards. À la une. À la deux. Où ils sont, les vandales qui ont cassé mon pare-brise? T'es de la bande, toi? À la trois. Ils m'ont attaqué. Ils m'ont volé ma poupée. Quoi? Ma poupée. Ils s'en sont pris à une petite fille comme toi? Oui. Oh, les galopins. Ils vont avoir de mes nouvelles. Par où ils sont partis? Par là. Allez, calme-toi, arrête de pleurer. Tout au bout de par la là. Si je les retrouve, j'en fais des miettes. Vous pouvez sortir. Il est parti. Ben oui. T'es sûre? Ben oui, j'en suis sûre. Et c'est grâce à qui? Hein? Archi sûre. Mais puisque je vous le dis. Hourra, tu nous as sauvés. Vive le chef. Vive notre président. Alors, tes ordres, ça vient? Alors, à quoi on joue? Si on jouait à non. Ou alors oh non, ça c'est trop nul. Alors, ça vient? Ou alors peut-être que... Oh non, ça c'est pas terrible ça. Vous savez pas. J'ai zéro idée. Alors, ça c'est la meilleure. Tu parles d'une chef? Quelle patate! Ben j'ai zéro idée, T'es plus la chef puisque c'est comme ça. Oh, sortez là! Ah ouais, ben d'accord. Thank you.
ma cuicui dans ma cuisine, je suis le roi. Et moi la reine. Tom Tom! Vous pensez que Ravdo? Nana! Trop, c'est trop! Ça va barder! Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux. La 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 la, ma Sophie, ma petite chérie. La la. C'est qui? La 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 la, c'est So-O-E! Mais qu'est-ce que tu fiches là, toi? Je croyais que t'étais partie. Mais non, je suis pas partie. Oh, mais il est beau. Il attend quelqu'un, Tom Tom. Pas du tout, j'attends personne. Taratata, je le sens que tu attends quelqu'un. Voyons, qui ça peut bien être? La reine d'Angleterre. N'importe quoi. Ah, ça y est, j'ai trouvé moi. C'est Sophie Moulinet. Ah. Ouais, on va jouer aux danseuses, on va jouer aux Indiens et aux extraterrestres là. Elle vient jouer avec moi, pas avec toi. Toi, t'as qu'à aller jouer chez ta copine Fatia. Peux pas, elle a la varicelle. De toute façon, tu fiches le camp d'ici. Va-t'en, je te dis. Papa, maman, maman. Tom, ta copine est arrivée. Je peux entrer? Non, si. Entre, j'arrive. Bonjour Sophie. Bonjour Tom Tom. Coucou. Alors on joue à quoi? Je t'ai déjà dit de partir toi. À trois on peut jouer au papa et à la maman. Tu serais notre bébé hein. Et t'aurais envie de dormir. On te mettrait au lit. Au lit. Allez, bébé Toto dans mon lit. Oh. Tu l'as déjà eu tout à l'heure. Allez, dodo, bébé. Venez-toi. Oh, ça suffit. Tu vas prendre une raclée, bébé. Attention, j'appelle ma bonne fée. Au secours, maman. Veux-tu laisser ta sœur tranquille? Mais c'est elle qui... Je ne veux plus entendre de cris, compris? J'ai une idée. Si on joue aux Indiens. Toi, tu serais la belle indienne, prisonnière des méchants cow-boys. Oui, d'accord. Vite, on fiche le camp. Attention, attention. Moi, pouvoir appeler grand sorcier. Ah, au secours, grand sorcier, je veux sortir. Tom, Tom, tu veux détacher ta sœur immédiatement? D'accord, oui. Quelle maligne, cette nana. J'ai une autre idée. Moi aussi, je vais t'étrangler. Oh là là. Tom, Tom, on s'amuse bien. À quoi on joue maintenant, Nana? Ouais, super. Sophie, on serait des terriens. Mais Sophie. Attention, un envahisseur venu nous éliminer de la Terre. Monte dans mon astromob, Sophie, il faut se défendre. Ouais, à mort l'ennemi. Mais si vous croyez que je vais me laisser faire... Ah, il m'a percé le cœur. Moi aussi. Tom Tom. Oh. Tu attaques les filles maintenant. Si tu maman, continues, tu seras privé de télé. Maintenant on joue à cache-cache. Ouais, génial. C'est Tom Tom qui compte jusqu'à 10. D'accord. Compte Tom Tom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 10. Allez, vu. Ah non, il y a personne. Sortez. Ah non, elles sont pas là. Nana, Sophie. On est bien cachés. Il est pas prêt de me trouver. Amusez-vous bien, je veux pas vous déranger. À deux, c'est nettement mieux. Eh oh, Rémi. Mon ami. Au secours. Dans
Cui-cui dans ma cuisine, je suis le roi. Et moi la reine. Tom-tom! Tina, vous pensez que Rabdo? Nana! Trop, c'est trop! Ça va barder! Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux. Magnifique, somptueux. Ma chérie, c'est sublime. Dis-moi comment tu me trouves sublimissime. Ta robe, sourire de lune de printemps pourri, c'est... Oh, mais le rouge me va bien aussi, ma chérie. Surtout avec tes yeux. Oh, ma chérie, 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 tu es sublimissime. Ce rouge te va si bien. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Zut, elles se sont enfermées. Mais à quoi elles jouent? À des jeux de filles. Elles ont l'air de bien s'amuser. Si on regardait. Ouais, d'accord, si tu veux. Voici notre mannequin vedette, Sophie. Dans un ensemble à trou-trou de chez Trou Machin. Splendide, ma chère. Quelle élégance. Quelle classe. Hé, hey, dépêche-toi. T'es lourd. Qu'est-ce qu'elles font? Elle joue au mannequin. Ça a l'air marrant. Tu parles, c'est des jeux gnangnans. Tu es sublime. Je crois que j'ai été remarquée par Dad Gigitos. Quoi? Le grand couturier de chez Rufuston? Ma chérie, c'est la super gloire. Je crois. Et comment trouvez-vous mon sublime chapeau qui laxe? Il vient de chez... On peut jouer avec vous. Fiche le camp, toi! Ici, c'est le club des beautés, pas le club des mochetés! Allez! Laissez-nous entrer! Moi, je ferai le photographe! Et moi, le maquilleur! Quel casse-pied! Comment s'en débarrasser? Bon, alors, vous ouvrez! J'ai une idée! On va les envoyer en mission, mais en mission impossible! Oui! On vous promet une condition! Ouais, d'accord! Vous nous rapportez tout le maquillage de Marie-Lou! Hein? Quoi? Et après, oh là là! Promis juré! Bon, bah, on y va! Marie-Lou, elle va pas vouloir! Il nous faut du bleu, du rouge, du savon et de la crème! Et du noir pour les yeux! J'ai la trouille! C'est qu'elle est féroce, la Marie-Lou! Viens, on va s'équiper pour le raid. Bon, réglons nos montres. Ta-da-ta-ta! 4, 3, 2, 1, à l'assaut! Brigade d'intervention sauvage! Ta-da! Pitié! Marie-Lou, c'est pas pour moi! C'est pour les filles! Andouille, y a personne! Génial! Vite, emparons-nous du butin! Pouah! Oh, ça cocotte, ces cochonneries! Tiens, de la crème de mocheté berk! Qu'est-ce que c'est que ça? Idiot, c'est du cirage! Je croyais que c'était du noir pour les yeux! Pas d'ennemis à l'horizon! Vite, filons! Mission accomplie! Vite, vite, revoilà les mochetés! Ouvrez! Allez, ouvrez, on a tout! Oui, mais... Vous avez promis! Attendez! On réfléchit encore un peu! Oh non! Vous exagérez! Allez, ouvrez! D'accord! Entrez! On va vous déguiser, mais... On va vous bander les yeux! D'accord! Vous allez être super! Arrête! Tu me chatouilles! Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'inquiète! C'est presque fini! Arrête de gigoter! Tu m'étrangles! Vous allez pouvoir vous regarder! C'est pas trop tôt, hein! 1, 2, 3, hop! C'est magique! On a changé de jeu! On joue au papa! Et à la maman! Et au docteur! Thank you.